coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une FAQ, donc ce sera la suite de la première FAQ que j'ai faite où on parle du début d'activité, de relance, de reconversion. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment concernant le métier de prothésiste ongulaire. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses et donc on commence. Alors, tu as déjà pensé à arrêter à cause des difficultés, continue, ton contenu est top, merci beaucoup. Alors non, étonnamment non. C'est justement là la différence. Je suis quelqu'un, quand quelque chose ne m'intéresse pas du tout, mais que je me force à faire quelque chose, j'abandonne. Mais par contre, quand quelque chose me tient à cœur, je ne lâche rien du tout. Et peu importe les difficultés, je ne lâche rien. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit de me dire « Non, je vais arrêter, c'est peut-être pas fait pour moi ». Mais vraiment, hein, je vous le dis du fond du cœur, je n'ai jamais pensé ça. Je me dis juste, en fait, je peux mieux faire, je peux éviter cette situation. Pourquoi vouloir abandonner quelque chose qu'on aime? En fait, ça me prend aux tripes. C'est ce que je veux vous transmettre dans mes tutoriels, c'est pour ça que ça m'émeut. Ça me fait extrêmement plaisir quand vous me dites que je vous ai transmis ma passion, que je vous transmets de la motivation, de la bonne humeur. C'est exactement ce que je veux. Pour le début, est-ce que je dois chercher des modèles? Alors oui, c'est très important, c'est ce qui fait la différence. Prenez des modèles avant de prendre des clientes. Avant de faire quelqu'un vous payer plein pot, prenez des modèles qui vont vous payer un prix de participation. Déjà, vous serez plus à l'aise puisque vous savez que la personne a payé un tarif ou si jamais ce n'est pas trop top, ben elle peut pas non plus trop se plaindre parce que c'est une modèle. Donc entraînez-vous sur une modèle pour ensuite prendre des clients. Puisque si vous allez voir que quand vous avez une modèle, c'est aussi ce que je dis à certaines personnes au niveau du temps, c'est qu'on a tendance à prendre plus de temps quand on fait les ongles de nos proches. Moi, j'ai jusqu'à maintenant, si je fais les ongles de ma soeur, alors là, je vais aller beaucoup plus vite qu'avant parce qu'avant c'était abusé. Hein. Elle passait une demi-journée avec moi. Ce sera très laxiste en fait. On va boire en même temps, on va manger en même temps, on va parler en même temps. Donc c'est un temps qu'on ne voit pas passer mais qui pourtant passe. Donc ça va prendre 5 heures facile, 4 heures facile. Alors que quand vous êtes avec un inconnu, vous n'allez pas être aussi à l'aise. Enfin, vous devez être à l'aise normalement, mais ce sera pas votre sœur, ce sera pas quelqu'un de proche, donc forcément vous allez aller plus vite parce que vous n'allez pas vouloir que la personne passe tout son temps chez vous. Alors que si c'est votre sœur, vous en fichez un peu, si elle reste à la maison un peu plus longtemps, inconsciemment, c'est pas grave. Travailler en salon, le temps de se faire des sous pour commencer à domicile, c'est bien. Alors oui, vous avez une expérience en salon. En plus, là, les clientes ne dépendent pas de vous uniquement, mais du salon. Donc normalement, vous êtes apte à avoir plus de clientes que si vous êtes à domicile. Non, pour moi, ce serait vraiment génial. Et vous allez vous faire la main, en fait, comme ça. Hello, as-tu repris un rythme de travail normal depuis la fin du confinement? Alors oui. D'ailleurs, c'est très intéressant comme question aussi. Alors oui. C'est vrai qu'on a tendance à oublier le confinement aussi. Hein. Il y a pas mal de personnes qui oublient cette phase. Tellement maintenant, c'est redevenu normal. Mais en fait, non. Financièrement, en tout cas, ça a repris. Ça a repris très bien. Donc voilà. Est-ce que ce n'est pas trop risqué de débuter cette activité en ce moment? Pour moi, il n'y a pas de moment de plus risqué que d'autres. Je m'explique. Ça peut être inconscient hein, de dire ça. Pour moi, c'est un peu comme on se dit je vais perdre du poids lundi. Allez, je commence cet été. Je commence à perdre du poids cet hiver. C'est un peu comme quand on se met un délai pour un objectif. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de bon moment pour faire quelque chose. Maintenant, attention. Comparer une perte de poids, une transformation physique à une activité professionnelle qui dépend des gens, il y a vraiment des facteurs environnementaux, sociétaux. Enfin, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Là, c'est autre chose. Effectivement, il faut prendre en compte le fait qu'on a une pandémie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment à proprement parler. Ça se trouve, vous pouvez vous lancer maintenant et trouver plus de clientes que si vous ne vous étiez lancé avant cette pandémie. En fait, c'est un peu ce qui est embêtant hein, dans ce métier, c'est que c'est aléatoire. Il y a des mois où, par exemple, ça va mieux marcher pour vous, dont vous ne vous y attendiez pas. Il y a des choses qui parfois marchent le plus au moment où on s'attend le moins. Il y a des fois, on va se donner à fond pour quelque chose, ça va pas marcher. Et d'autres fois, on va être un peu plus laxiste tout en travaillant et puis ça va prendre un rebondissement incroyable. Donc vraiment en fait c'est un peu ça aussi qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne sait vraiment jamais. Voilà, il y a beaucoup de gens en plus qui se sont lancés maintenant parce que pendant le confinement justement ils ont eu un nouveau tournant, donc beaucoup de personnes se sont lancées après le confinement. Donc croyez-moi, ce n'est pas la mauvaise période. Pour débuter, comment peut-on faire pour avoir du stock? Merci, tu m'as donné envie me lancer et j'aime tellement ça. Trop bien. Tout simplement, il faudra avoir un budget pour ça, donc il faudra économiser. Ne vous lancez pas tant que vous n'avez pas les sous. Si vous vous lancez et que vous recherchez le pas cher à tout prix, que vous voulez ponceuse pas chère, lampe pas chère, gel pas cher, vernis pas cher, croyez-moi, il y a des choses qui sont pas chères qui sont bien, mais il y a des choses, il faut mettre le budget quand même, sinon vous allez dépenser plus qu'autre chose sur le long terme parce que le pas cher a un prix. Donc, dans ta question, je ne sais pas exactement ce que tu voulais me dire, parce que comment peut-on faire pour avoir du stock?
Je te répondrai à avoir un bon budget. Et maintenant, si tu veux savoir le matériel à avoir pour débuter, n'hésite pas à regarder ma vidéo. Formation à distance, est-ce une bonne idée? Alors, je vous avais répondu en story Instagram que j'ai laissé en story à la une parce que vous me posez beaucoup la question. C'est une bonne idée, mais je disais qu'en fait, ce sont des formations qui sont bien pour les personnes qui ont du recul sur eux-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin, en fait, qui sont autonomes. Ce que j'appelle autonome, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un à côté de vous qui regarde ce que vous faites, qui vous corrige directement. Si vous êtes quelqu'un d'autonome, que quelqu'un vous parle, qu'il y a un retour, un feedback, c'est un plus. Par contre, quelqu'un qui n'est pas autonome a vraiment besoin de poser des questions, d'être accompagné, d'avoir un retour. Alors que les formations à distance, tout dépend de la formation en soi, s'il y a des corrections après que vous pouvez parler à la formatrice. Mais si vous ne pouvez pas parler à la formatrice ou que les questions sont limitées, qu'il n'y a pas de correction à faire ou qu'il n'y a pas ce suivi, vous pouvez être frustré et avoir l'impression d'avoir dépensé pour rien parce qu'au final, vous allez vous dire, mais c'est un peu comme si j'ai regardé une vidéo YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'il y ait un plus. Et c'est aussi pour ça que si un jour je fais des formations, je veux le faire en vrai. C'est-à-dire qu'on se voit, que ce soit physique. Quand c'est sur internet, en fait, c'est linéaire. C'est-à-dire que vous regardez un support, vous pouvez discuter avec la formatrice sûrement, hein, mais au niveau de la formation en soi, quand vous allez le faire au niveau des vidéos, ce sera linéaire. C'est-à-dire que vous suivez plusieurs modules, vous regardez, vous faites, mais c'est à sens unique. Voilà. Vous regardez, vous pouvez pas parler à la formatrice, c'est une vidéo. Donc c'est vrai que c'est embêtant, vous allez pouvoir lui parler par la suite, mais il n'y a pas ce contact direct comme une formation physique où vous pouvez rebondir. En même temps que vous travaillez, vous dites par exemple, excuse-moi Morgane, j'ai telle question, ça sert à quoi de faire ça? Vous voyez, c'est pour ça que je prévois des cours en ligne. Ce sera comme une vidéo YouTube, sauf qu'on va aller en profondeur, ce sera du perfectionnement. J'appuie que ce sont des cours en ligne où il n'y aura pas de retour, où vous pourrez me poser vos questions, etc. Mais il n'y aura pas ce côté correction, suivi, etc. Je vais vraiment attendre de pouvoir faire des formations pour ça, parce que c'est vraiment là qu'il y aura le côté suivi. Pour moi, ce qui fait la différence entre cours en ligne et formation, c'est que formation, il y a un suivi, il y a de la correction, il y a un retour. Donc ce sont des formations aussi qui sont bien par rapport à si vous travaillez beaucoup, que vous avez une vie de famille extrêmement remplie, vous avez beaucoup d'enfants, ou même si vous avez un seul enfant, mais que vous avez du mal à concilier le travail que vous avez, votre enfant, si et ça, que vous devez vraiment avoir une formation flexible ou vous former quand vous pouvez. Ça, c'est bien aussi. Si ça vous dérange pas, faites-le. Sinon, c'est vrai que l'accompagnement est limité. Maintenant, il existe des formations qui se font par visio, tout ça. Ça, c'est déjà un peu mieux parce que la formatrice voit ce que vous faites. Vous pouvez poser des questions en direct. Voilà. En fait, tout dépend de la formation en vrai parce que je pense qu'il y a différents types de formations en ligne. Donc, à vous de voir. Faut, encore une fois, comme les formations physiques, comme je vous disais, il faut que vous voyez le contenu, la pédagogie de la personne qui enseigne parce que c'est ce qui fait toute la différence. Que faire si une cliente refuse l'utilisation de la ponceuse? Oh, je t'avoue que c'est compliqué là. Tu me poses une colle. Après, je suis quelqu'un de conciliante, donc je m'adapte. Forcément, j'aurais fait manuellement, mais j'aurais quand même expliqué, enfin, j'aurais cherché à savoir pourquoi. Parfois, c'est lié à un traumatisme, donc je peux comprendre. Donc, tu peux la rassurer, aussi lui montrer que tu sais utiliser la ponceuse, que tu sais la maîtriser. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes qui, justement, ont été traumatisées quand elles me voient dégainer la ponceuse, elles sont en mode... Et quand elles voient que ben, ça fait pas mal et que voilà, ben, elles sont détendues. Montrez, en fait, que vous savez faire votre travail. C'est vraiment... vous qui allez faire la différence. Quand la personne voit que vous êtes à l'aise, vous savez ce que vous faites, voilà. Par contre, quand on voit que vous êtes hésitant, c'est vraiment dans l'attitude que quelqu'un saura si elle peut vous faire confiance ou pas. Est-ce que c'est difficile d'être à son compte? Alors, encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc oui, c'est difficile. Je ne vais pas faire la mytho, comme on dit. Mais au bout d'un moment, on voit le bout du tunnel, en fait. Au bout d'un moment, même si c'est des années après... on respire. Les efforts, toutes les nuits blanches prennent raison. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut vous rattacher à ça pour ne jamais abandonner parce que ça ne sera pas facile. Ce sera pas facile. Vous allez voir que vous ne pourrez même pas vous payer ça. Vous pourrez pas vous acheter des vêtements, faire du shopping. Ce sera compliqué, ce sera stressant pour payer les factures. Mais au bout d'un moment, ça va marcher. Et il faut vous donner les moyens. Penses-tu que je devrais attendre que cette crise sanitaire passe? Ah oui, vous êtes beaucoup à vous inquiéter pour la crise en question. Donc je vous ai répondu. Franchement, c'est vrai qu'on nous sera beaucoup à avoir des façons de penser différentes. Il y en a qui vont penser que c'est inconscient. Je prends des risques. En fait, j'ai une adrénaline quand je prends des risques, parce que oui, vous pouvez échouer. J'ai échoué dans beaucoup de choses, hein. Mais oui, vous pouvez réussir. Donc, en fait, c'est un peu ça qui est compliqué avec les risques. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a peur, c'est qu'il y a une chance sur deux que ça passe. S'il y a quelque chose qui fait que niveau de la société, niveau sanitaire, je ne peux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Par contre, s'il y a rien qui m'empêche de faire ça et que juste ce sont des inquiétudes par rapport au fait que peut-être les gens ont moins d'argent à dépenser dans les ongles, franchement, ce sont des inquiétudes qu'on se met. Voilà quoi.
Franchement, les gens ont repris leur vie normalement en prenant des précautions, bien sûr. Par exemple, moi, en tant que cliente consommatrice, je continue d'aller chez l'esthéticienne, j'ai été chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Personnellement, j'ai toujours un budget beauté par mois. Les gens continuent de dépenser, continuent de vivre normalement. Voilà, les ongles, surtout après le confinement, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je me dis, c'est le contraire, en fait. Après le confinement, ça a explosé. J'ai l'impression que vous n'avez pas vu comme moi. Après, c'est peut-être parce que je suis sur YouTube, mais même au niveau de ma chaîne, j'ai de plus en plus de personnes qui se sont intéressées. Par exemple, le polygel, c'est vraiment ce qui explosé, mais il y a de plus en plus de personnes qui se sont intéressées et qui finalement se sont lancées en tant que prothésiste ongulaire. Donc pour moi, j'arrive même pas à me dire que c'est une période où il faut pas se lancer parce que les gens s'intéressent de plus en plus aux ongles. Donc est-ce que c'est inconscient ou pas? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir, et à commenter, à rebondir sur certaines choses que j'ai pu dire, notamment concernant la crise sanitaire, le fait que vous ayez des inquiétudes ou pas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se dit à la prochaine, je vous fais des bisous, bye bye. Enfin, je peux mettre la clim.